Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième erreur d'un nouveau couple. Alors, comme on l'a vu dans la première des trois vidéos que j'ai faites pour ce sujet, la première des trois erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas se projeter trop vite dans une relation. Mais quelle est donc la deuxième? La seconde, ça va être de ne pas passer 24 de vos heures avec la personne en question que vous avez, avec qui vous êtes en train de créer ce nouveau couple. Pourquoi? Parce que si vous passez trop de temps avec elle, si vous passez, je sais pas, 2-3 jours consécutifs avec elle, bah, peu à peu, vous allez peut-être au début rentrer dans quelque chose d'agréable, parce que c'est forcément agréable au début. Mais peu à peu, ben, la relation va se lassifier, va se rendre beaucoup plus platonique et vous allez avoir beaucoup moins envie de voir cette personne. Une relation fonctionne justement parce qu'on a envie de voir quelqu'un, parce qu'on est dans le désir de cette personne. Si la personne est présente trop rapidement pour vous, eh bien, vous allez moins avoir envie de la désirer, vous allez moins avoir envie de coucher avec elle et vous allez moins avoir envie de pouvoir la retrouver une fois que vous serez séparé d'elle. Une relation fonctionne parce qu'on continue de voir ses amis, parce qu'on continue d'avoir une vie sociale à côté, parce qu'on continue de passer des soirées à ne pas forcément dormir chez elle ou dormir chez lui. Ça marche parce qu'on passe du temps à ne pas être avec une personne qui nous manque du coup. Et si elle nous manque, ben on est deux fois plus heureux de la revoir et on prend conscience réellement de la valeur qu'elle a pour nous. Et ça, c'est vraiment le secret pour qu'une relation qui commence de façon rapide fonctionne vraiment. Il faut passer du temps avec d'autres personnes, il faut passer du temps avec ses amis, avec sa famille, avec ses proches, continuer d'avoir la même vie que célibataire, mais cette fois en étant en couple, donc en prenant du temps pour la personne avec qui vous êtes, mais pas 24 de vos heures, parce que justement, il faut avoir le temps de désirer cette personne, il faut avoir le temps que cette personne vous manque, il faut que vous ayez un réel bonheur de vous retrouver chaque fois que vous vous retrouverez pour que vous puissiez vous redécouvrir encore plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi notamment vos estimations sur la troisième potentielle erreur qu'on pourrait faire en étant en couple depuis peu de temps. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me donner de nouveaux sujets de vidéos que je pourrais traiter. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss. Au revoir.